L'Église traversera la grande tribulation. L'Église traversera la grande tribulation. Les événements du cinquième sceau sont en cours d'exécution. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse chacun de nous. Tel que nous vous l'avions promis dans la vidéo précédente, que dans la vidéo actuelle, nous allons parler des événements qui se passent dans les sceaux que le Seigneur Jésus-Christ avait ouverts. Cela ne veut pas dire que tous les sceaux sont déjà ouverts, que nous sommes en train de vivre les événements de ces sceaux-là. Non, ça ne veut pas dire ça. Et parmi les sceaux que le Seigneur Jésus-Christ avait ouverts, alors, certains de ces sceaux, nous voyons bien que les événements qui se passent dans ces sceaux, nous sommes en train de vivre ça déjà dans le monde. C'est comme cela que nous allons aller voir dans la Bible pour que nous puissions nous rendre compte les événements que nous sommes en train de vivre actuellement. Est-ce que cela est compatible avec un des sceaux que le Seigneur avait ouvert? C'est cela même le but de ces messages. C'est comme cela que le titre de ces messages est tel que notre grand thème est l'Église traversera la grande tribulation. L'Église traversera la grande tribulation. Ça, c'est le thème de notre message. Et dans ce thème, il y a beaucoup de sujets. Les événements du cinquième sceau sont en cours d'exécution. Et les événements du cinquième sceau sont en cours d'exécution. Alors, nous allons voir en cours de ce message les sceaux, en commençant par le premier sceau, deuxième sceau, le deuxième sceau, troisième sceau, le troisième sceau, quatrième sceau, le quatrième sceau, cinquième sceau, cinquième sceau, sixième sceau, le sixième sceau, septième sceau, tokomona yango te. On ne parlera pas du septième sceau. Car lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait ouvert le septième sceau, cela avait donné accès aux sept trompettes. Or, les sept trompettes sont la colère de Dieu. La colère de Dieu qui descendra sur les habitants de la terre. Sur ceux qui ne vont pas croire au Seigneur Jésus-Christ. Sur ceux qui auront la marque de 666. Mais en ce moment, nous savons que ces choses-là, nous n'avons pas encore vécu cela. C'est comme ça que dans ce message, nous n'en parlerons pas tout de suite. Nous allons commencer par parler des événements qui se trouvent dans le sixième saut. Car nous allons parler de ça par élimination. Nous commencerons par le sixième saut. Nous descendrons au cinquième saut jusqu'au premier saut. C'est comme cela que dans ces vidéos, nous allons parler. Les sixième sceaux de l'Apocalypse. Les sixième sceaux de l'Apocalypse. Boye, tokokende kozwa mokanda na Matthieu chapitre 24 verset 1 à 3. Nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 24 verset 1 à 3. Oui, ma sœur, attendez la biso. Notre sœur va lire pour nous.
Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Tempelo wana mobimba bakoleka kati na kobuka yango libanga moko ekotika la likolo libanga mosusu te. Oui ma sœur avec ces trois. Il s'assit sur la montagne des oliviers. Si manankole sumasi akoloba bongo akeiko mata likolo ya montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Boyekuna ye avandaki bayekoli na ye bayeko tuna ye. La question que les disciples lui ont posée. Ezali motuna se moko. C'est une seule question. Mais dans cette seule question, il y a trois demandes dans cette question. Alors, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? La première demande, c'est quand est-ce que le temple de Jérusalem va être détruit? La deuxième demande, et quel sera le signe de ton avènement? Les apôtres avaient demandé les signes. Oui, ma sœur, troisième sous-question. Et de la fin du monde? Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, nous voyons ici que cette envie de vouloir savoir connaître quels seront les signes de l'avènement du Christ, de la fin du monde, dans cette envie qui était pressante dans leur cœur. Nous voyons bien que c'est une envie que même les disciples ont eu cette envie-là. Cela veut dire que même nous, aujourd'hui, qui sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous avons aussi cette envie de savoir quand est-ce que ça va arriver, toutes ces choses. Nous devons savoir ceci, que même les païens, et aussi ils ont envie, ils sont dans le besoin de savoir quand est-ce que ça sera la fin de toute chose. C'est ainsi, nous allons voir la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. La première chose que nous devons savoir, c'est que dans les trois questions posées au Seigneur, en fait, nous allons voir juste deux questions. Car la première question, la première question qui consistait à poser la question de savoir quand est-ce que le temple de Jérusalem sera détruit, la réponse à cette question est déjà connu. Parce qu'aujourd'hui, le temple de Jérusalem, nous savons que cela a déjà été détruit. C'est comme cela que dans ces messages, nous n'allons pas parler de ces temples-là. Mais nous ferons une autre vidéo. Dans laquelle nous parlerons juste de ce qui concerne les temples de Jérusalem. Le titre de ce message, ça sera que Dieu ne peut pas habiter dans les temples, dans le troisième temple de Jérusalem. Gloire à Dieu. Alors, nous revenons maintenant dans notre message pour voir les deux questions qui lui ont été posées. Quel sera le signe de ton avènement?
Et puis, quel sera le signe de la fin du monde? Yebi sabiso, elembonini, tobi lembonini, okotelisa ete, yo, osiliko belima. Oui, question ami balé. Dis-nous, quel sera le signe de la fin du monde? Pe yebi sabiso, bilembo ya suka ya mokili, ezali nini. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous allons voir ces réponses dans la Bible. Ici, nous allons faire la méthode du Seigneur Jésus-Christ telle qu'il a, il leur a parlé. Parce que les apôtres ont demandé des signes. Nous aussi, nous allons essayer de regarder, ressortir le signe. Pour que nous puissions voir les signes actuels, est-ce que cela nous montre qu'on est dans quel saut maintenant? Ici, nous allons aller dans les Écritures. Le Seigneur Jésus-Christ avait donné des réponses aux apôtres. C'est comme cela que la Bible dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, verset 20. Que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais de quels apôtres s'agit-il? De quels prophètes s'agit-il? Il s'agit des prophètes qui ont leur nom. Et comment mis na kati na Bible? Qui ont leur nom écrit dans la Bible. Pour na mokanda na Apocalypse chapitre 21. Car dans les livres de l'Apocalypse au chapitre 21, verset 9 à 14, la Bible nous dit que Jérusalem oyo euti likolo kokita, que la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel d'auprès de Dieu, ezali na 12 fondements, que cette Jérusalem a 12 fondements. Fondement moko na moko, chaque fondement ezali na kombo ya moko na moko ya ba apôtre, a les noms de chacun des apôtres. Soki ba kombo ya ba apôtre komami na fondement topé na fondation ya nouvelle Jérusalem. Alors comme les noms de chaque apôtre est écrit sur le fondement de la nouvelle Jérusalem, elingi koloba ete ba bantoma wana bango bazali bato oyo bandimami ete bokonzi na likolo ezali polele po na bango. Cela voudrait dire que ces apôtres-là, ce sont des personnes qui ont été acceptées, admises, du fait que leurs noms ont été représentés dans les fondements de la Nouvelle Jérusalem. Cela nous montre bien qu'ils seront vraiment là dans la Nouvelle Jérusalem. C'est pour cela que nous suivons ces apôtres-là. Les prophètes que nous sommes en train de suivre, c'est eux. Ce sont les prophètes qui sont dans la Bible. Et qui sont dans l'Ancien Testament aussi. Alors nous sommes en train de suivre leurs réponses. Nous sommes en train de mettre de côté la théologie. Nous sommes en train de mettre de côté la théologie. Ba prophète amokili ba déterminé pour natin la souka amokili to kozonga nkolo Yesu Christ. Nous sommes en train de mettre de côté l'eschatologie faite par des hommes. Eschatologie elingi kolega kat na koloba nini? Que veut dire l'eschatologie? Elingi koloba étude oyo ezali kotala souka amokili to pe kozonga nkolo Yesu Masia ba bilembo oyo kolega kat na koya to pe souka ya moto ezali ndenge nini? Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est que le Seigneur Jésus-Christ avait prêché. C'est cela que les apôtres nous ont aussi ramené. Nous sommes en train de dire que nous sommes en train de parler des apôtres et des prophètes qui sont inscrits dans la Bible. C'est eux que nous préférons suivre. Donc, Luc chapitre 21. Nous allons prendre le livre de Luc
au chapitre 21, versets 29 à 31. Versets 29 à 31. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il leur dit une comparaison. Voyez les figuiers. Et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Verset 31. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume des dieux est proche. De même aussi comme pour nous, nous allons aller observer aussi le signe. Et à travers le signe que nous verrons dans le monde, c'est ainsi que nous aussi on pourra savoir que nous sommes dans quel sceau, quantième sceau. Quels les événements de quel sceau nous sommes en train de vivre actuellement. C'est comme cela que nous avons dit que nous allons commencer d'abord par le sixième sceau. À chaque instant, tu retiens so moko moko. Alors, quand nous lirons chaque so un à un, so qui babilembo va commis la carte, tu vas événement ou va commis la carte. Alors, en observant les événements qui sont écrits dans les so, nous allons comparer si cela se réalise actuellement ou pas. So qui te moni na carte, ça m'occupe ma cambango et zo salama. Alors, nous allons voir. Est-ce que nous verrons l'élément qui est cité dans tel ou tel so? Est-ce que cela s'est produit aussi? Ça s'est produit aussi dans le monde, oui ou non? Alors, c'est en ce moment-là que nous dirons, si c'est effectivement, on remarque que cela s'est produit dans le monde, on dira, ah, nous sommes dans tel ou tel sceau. Nous allons prendre maintenant les sixième sceau dans l'Apocalypse, chapitre 6. Versets 12 à 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. La première des choses, le prophète Jean a dit ceci. Quand le Seigneur Jésus-Christ a ouvert le sixième sceau, il a dit ceci. Mabele na kati ya mokili e ningani makasi. Alors Jean dit qu'il a vu que quand le Seigneur a ouvert le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Babilembo oyo e komami na kati na ba sceau. Alors les signes, les événements qui sont décrits dans ces sceaux-là, ezali ko concerner mokili mobimba. Cela concerne vraiment le monde entier. Tango prophète Jean a moni été. Sixième sceau fongwami. Lorsque le prophète Jean a vu que le sixième sceau avait été ouvert, alors la première chose qu'il a vue, c'était un grand tremblement de terre qu'il y a eu dans toute la terre en fait. Nous allons maintenant poser une question. Est-ce que dans ce monde, dans quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, aussi au Yoka, avez-vous déjà entendu, toi aussi au Mona, ou avez-vous déjà vu Mabele et Ningani Mokili Mobimba Nambala Moko, qu'il y ait un grand tremblement des terres en une fois partout dans le monde? Non, ne salamate. Cela ne s'est jamais fait. Tremblement de terre et salamaka. Il y a des tremblements de terre dans le monde. Mais ça se passe dans un pays quelconque. Ou dans un autre pays quelconque.
Ça peut se passer dans un même pays. Na coin moko boye. Dans un coin de ce pays-là. Mais, na coin mususu, mais dans un autre coin de ce pays, il n'y aura pas de tremblement de terre. Kasi tremblement de terre oyo. Mais les tremblements de terre qui s'agit dans ce verset, ezali tremblement de terre ya mokili mobimba. C'est vraiment un tremblement de terre qui se passera dans toute la terre. Na sur mbala toute moko. La terre. En une fois. Na mokolo elelo oyo. De nos jours, Nanu, tremblement de terre ya boye, salamité. Il n'y a pas encore eu un tremblement de terre de cette ampleur-là. Donc, donc nous disons événement oyo nanu et comité. Que cet événement ne s'est jamais produit sur la terre. Oui, ma sœur, pourquoi continuer? Le soleil devint noir comme un sac de crin. Alobi ete et l'emboyami balé, moi et komi mwindu tu lokola saki oyo ya mwindu ya makala. Nous allons poser maintenant une question. Ces deuxième signe. Est-ce que t'es-tu déjà réveillé un matin comme ça? Au moins a été moi et comme moins de tout le col à sac qui a ma cale. Et que tu vois que le soleil devint noir comme un sac de crin? Tant que moi et comme moins de tout et l'incolba était namo kilimo bimba. Donc, ce qui est dit dans ce verset que le soleil devint noir comme un sac de crin, cela se passe dans le monde entier. Mais est-ce que vous avez déjà vu cela noir comme ça dans le monde entier, tout noir? Est-ce que ça s'est déjà fait en une fois comme ça? Car tout ce qui s'agit des sceaux quand ça concerne la terre entière, ça ne se passera pas seulement dans un coin d'un pays, ou dans un autre pays, il n'y aura rien. Ça se passera en une fois partout, en une fois dans, en même temps partout dans le monde. Or, ce n'est jamais arrivé qu'il fasse noir partout dans le monde, en une fois, partout, le soleil au même moment. Vraiment. La lune entière devint comme du sang. Sansa mobimba, sansa, oye maganalikolo, et komi motane lokola makila. Motuna mosutu rotuna yangoy. Il y a encore une question ici. Ete ndeko na biso. Yo si o mona ete sansa et komi rouge, topé et komi motane lokola makila. Bien aimé, est-ce que vous avez-vous déjà vu la lune devenir rouge comme du sang? Et cela partout dans le monde en une fois? Nanouté. Mais non, c'est pas encore, on n'a jamais vu ça. Ma sœur, autant que la biche de Mbomosusu Yamine. Et les étoiles du ciel. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Balobi awa ete ba minzoto tope ba étoile et outil kolo et bandi kokwe ya lokola neti nzete ba koningisa yango na mopepe makasi et oyo eza ko salama et sengele salama na mokili mobimba. Motuna to tout nezali yango. Il y a encore une question là-dessus. Ndeko na biso, est-ce que sur l'anda ta na information to yo moko? Bien aimé, as-tu suivi déjà, est-ce que qu'il y a eu une information ou que tu as vu de tes propres yeux que des étoiles commencent à tomber comme si c'est comme un figuier qui est secoué? Est-ce que tu en as déjà entendu parler ou bien tu as vu par toi-même? Est-ce que cela s'est déjà passé comme cela? Nanouté. Non, pas jamais, ça ne s'est pas encore passé comme cela. Verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Alors, il était mapata, ba ezingami, ba zingi yango, nandenge photo bozole kakati na komona wana, mapata ezingami lokola neti elamba, ba zingi yango. Donc, tel que vous voyez dans vos écrans, est-ce que avez-vous déjà vu que le ciel soit roulé comme cela, comme un habit? Donc, voilà, suivez l'image sur vos écrans. Soki et salami bongo. Si cela s'est passé comme cela, na mokili mobimba tokomona ete mapata ezingami lokola elamba. Dans ce phénomène se passera dans toute la terre, partout dans le monde. Il faudrait que tout le monde puisse voir que le ciel s'est enroulé comme un livre qui se retire. Voilà. Nanou, et salamate. Or, cela ne s'est jamais arrivé, ne s'est jamais passé. Sœur. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Balobi était bangombanyan surtout, naba île.
nyonso tuwana eningani et se déplacer et longwe na bisika na ngwe zalaki musu eke na kote mosusu ndenge wana. Est-ce que osio yo kama kamba ya boyo moko somona yango nanute? Mais est-ce que avez-vous déjà vu cela arriver? Est-ce que des îles qui sont remuées de leur place, des montagnes de leur place, est-ce que vous avez déjà vu cela? Non, nous ne pensons pas. Ce ne sont pas des choses que nous allons voir ou suivre aux informations. Ce sont des choses que nous aurons à voir de nos propres yeux et que chacun de nous, là où il est, le verra. Nous allons voir encore un autre signe. Oui, ma sœur, verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Lorsque cela se passera comme cela, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les esclaves, ou alors les hommes libres, bango nyonso tu bakimi kobombana na se ya ba mabanga to pe bangomba. Et tous ils courent pour se cacher, ils courent pour se cacher dans des cavernes ou dans les rochers des montagnes. Ndeko si koma na kata mokili. Est-ce que vous avez déjà eu à voir cela dans ce monde? Ouais, ba président nyonso bakimi. Et que oh non, voilà, tous les présidents se sont enfuis. Généraux nyonso bakimi. Et tous les généraux se sont enfuis. Ba esclaves bakimi. Et les esclaves se sont tous enfuis. Ba chefs militaires bakimi. Et les chefs tous les chefs militaires se sont tous enfuis. Ba riches bakimi. Les riches se sont tous enfuis. Ba pauvres bakimi. Les pauvres se sont tous enfuis. Ba keko bombana. Ils ont été se cacher. Na sea mabanga. Sous les rochers. Il y a des montagnes. Des montagnes. Yo la mokibe, o tika la yo moko. Tu te réveilles, tu vois que moi je suis tout seul là, mais ils sont partis où là? Est-ce que cela est déjà arrivé? Ma c'est tangu bango bakimaki babandai kolbani na verset 16. Verset 16. Et il disait aux montagnes et aux rochers. Bazalai kolobana bangomba. Tombez sur nous. Bokwe likolo na biso. Et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Bobomba biso likolo ya oya vandi likolo na kit na bokonge. Et devant la colère de l'agneau. Pe liboso ya kanda ya mwana na mpate. Car le grand jour de sa colère est venu. Poete mukolo na ye ya kanda esi ekomi. Et qui peut subsister? Nanyango moto akoki koleka kat na kotele mawana. Bien-aimés, nous avons écouté tout ce qui est écrit dans le sixième sceau. Est-ce que makambo la kata mokili, c'est ça là déjà? Est-ce que ces choses dans ce monde, est-ce que cela s'est déjà réalisé? Nanu et salamate. Non, nous ne pensons pas que cela soit déjà réalisé. Et l'ingi koloba et ba événement à sixième sceau. Donc, nous allons dire que les événements du sixième sceau. Nanu yango et bandi koko kisamate. On peut dire que ces événements du sixième sceau ne se sont pas encore entrés en action. Cela voudrait dire que nous ne sommes pas encore arrivés au niveau du sixième sceau dans ce monde. Par des signes, nous avons vu que dans ce monde, que nous sommes en train de traverser les événements du cinquième sceau. Et ce n'est pas encore. Nous devons savoir Apocalypse chapitre 6. Que l'Apocalypse chapitre 6, verset 12 à 17, à 17 que nous venons de lire. Cela marche de pair avec le livre de Matthieu. Chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Verset 29. Verset 29. À verset 32. Jusqu'au verset 32. Aussitôt, après ces jours de détresse, Balingami. Bien-aimé dans les seigneurs. Biblia elobi na première phrase wana. La Bible dit dans cette première phrase. Sima ya ba jour ya détresse. Aussitôt après ces jours de détresse. Na lingi totia totala écran na biso. Je veux que nous puissions regarder nos écrans. Ba komi ces jours au pluriel mikolo oya pasi mikolo. Il y a pas les jours de détresse. Regardez ces jours, c'est dit au pluriel pour dire qu'il y a plusieurs jours. Donc ces jours de mon côté. Mais détresse, ça se passera pas en un seul jour. Alors,
Oyo toza kotanga ezali Louis II. Nous sommes en train de lire Louis II. Nalingi natali sabino ete. Je vais vous montrer, je vais vous parler de quelque chose. Ete soki tozui Matthieu chapitre 24 wana. Alors en prenant le livre de Matthieu chapitre 24. Tozui ango na version Darby. Quand nous prenons la version Darby. Toki kotanga passage wana. Nous allons lire le même passage. Verset 29, première phrase wana ya mukuse. Alors ça dit ceci au verset 29. Et aussitôt. Après la tribulation de ces jours-là. Après la tribulation de ces jours-là. Bande cannabis, est église et qu'on traversait la grande tribulation. Bien aimé, c'est ainsi que nous avions dit que l'église traversera la grande tribulation. Apocalypse chapitre 6. Nous avions dit que l'Apocalypse chapitre 6. Verset 12 à 17. Et Matthieu chapitre 24. Ces versets marchent de pair avec ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 24. À partir du verset 29. À partir du verset 29. Jusqu'au verset 32. Kasi awa tolingi totali sabino et na Louis II ba komi ses jours de détresse. Et ici, dans la version de Louis II, ba koma ki ses jours de détresse. C'est écrit ses jours de détresse. Kasi na version Darby ba komi. Dans la version Darby, la tribulation de ces jours-là. Nous avons vu que c'est écrit après la tribulation de ces jours-là. Et l'ingolo va jour ango ezali ebele ba tango pe na pluriel de mozomona nitanda na bino. Cela veut dire que ça sera plusieurs jours parce que là c'est mis au pluriel. Mikolo ya ba tribulation. Non, il y aura plusieurs jours de tribulation. Boye tango susu ko lobaka ka wana pote Jésus ali Darby. Là, vous direz peut-être que parce que vous avez juste pris la version Darby. Bible anglais, King James. Nous allons prendre maintenant les Bibles de la version anglaise, King James. C'est à la en anglais, première phrase wana. Nous allons lire la première phrase en anglais. Dans les Bibles anglais, mais la Bible débrouillée. Immediately after the tribulation of those days. Toza comment a été, ba komi peka la tribulation. Nous voyons que c'est écrit aussi tribulation. Et c'est écrit aussi plusieurs jours. Nous allons aussi prendre une autre version. King James Moussous ou bien aussi Vulgate. Nous allons prendre la version Vulgate. Ezali en latin. En latin. Verset 29. 29. Oui, ma sœur, on se débrouiller. Parce que le latin est le lingala. Donc, est-ce que tu peux lire ça en comme si tu lis les lingala? Donc, c'est écrit statim autem post tribulé tribulationem durum ilorum sol. Bozo koninga kat na koka kombo mot tribulation. Vous voyez bien que là-dedans, il y a le mot tribulationem qui dit tribulation en fait. C'est ça. Donc, verset 29, na, Louis II a commis aussitôt après ses jours de détresse. Donc, dans la version Louis II a commis après ses jours de détresse. C'est écrit après ses jours de détresse. La version de la Bible française a commis bon mot. Dans les versions françaises, c'est écrit comme cela. Mais en anglais, a commis. Aussitôt après ces jours de tribulation. Mais dans la version anglaise, nous aurons bien vu que c'était écrit aussitôt après les jours de tribulation. Et l'inikoloba était la grande tribulation et que salama awa na cinquième saut. La grande tribulation se passera en cours du cinquième saut. Na saut oyobiso tuza ko vivre ba événement lango sikoyo. Donc dans les sauts que nous sommes en train maintenant actuellement de vivre déjà les événements qui sont là en cours. Sikoyo tokotanga Matthieu 24 ango à partir avec ses 29. Nous allons maintenant lire le livre de Matthieu 24 à partir du verset 29. Oui, ma sœur Elobinine. Aussitôt, après ces jours de détresse, ndenge totanga kino ba version mususu, aussitôt après ces jours de tribulation. Dans tel que nous avons lu dans notre version, c'était dit aussitôt après ces jours de tribulation. Oui, ma sœur, ma camine yeko salama. Le soleil s'obscurcira. Moui ekoleka kati nako, ekoleka kati kati nako, kokoma molili moui ekokufa na mukuse. Quand nous avons lu le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, 12
à 17. Nous avons vu dans les livres de l'Apocalypse, chapitre 6, 12 à 17. 12, verset 12 à 17. Oh, il y en a un sixième saut. En parlant du sixième saut. Tout le monde qui était, le soleil est comme qui noir comme un sac de crin, comme le quoi la sac de macar. Nous avions vu que le soleil était devenu noir comme un sac de crin. Bon, tu as la comme Matthieu 24, verset 29. Maintenant, comparé avec le livre de Matthieu 24, verset 29. Tant que Nicolas, la tribulation est silly. Juste lorsque les jours de la grande tribulation seront finis. Dans Matthieu 24, Balobi était Moï et Kokoma Molili. Alors, il est dit dans Matthieu 24 que aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Tel que cela est indiqué dans le livre de l'Apocalypse. Alors, pour la lune, cela est dit. La lune ne donnera plus sa lumière. Balobi était sans arrêt et qu'on peut s'appeler et qu'on peut s'appeler pour les naïngoté. L'Apocalypse Balobi était comme motané à Makila. Donc dans le livre de l'Apocalypse, c'était indiqué que la lune deviendra rouge comme du sang. Oui, ma sœur, il m'a mis ça tôt. Les étoiles tomberont du ciel. Balobi était baminzot et qu'on te dit que le collègue Kati n'a qu'au coin. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Oyo nyonso tout ils ont la licolo, bah ma banga ma kangolo, ils ont quoi ils ont connu la licolo, nyonso kolika kat na ko panzana. Yango wanande tu mena ki na kat mokala l'Apocalypse. C'est ça que nous avons vu dans le livre de l'Apocalypse. Na sixième saut. Au niveau du sixième saut. Ma kambo oyo nanu tu vivre yangote. Or toutes ces choses nous n'avons pas encore vécu. Balobi était aussitôt après ces jours de tribulation. Donc c'est dit dans Matthieu 24 qu'aussitôt. Après ces jours des tribulations. Et le livre était en grande tribulation, Sili, de sixième se bandit. Donc, ça voudrait dire que lorsque la grande tribulation sera finie, ça sera les départs maintenant, les débuts du sixième saut. Oui, mais ça va encore continuer. 30. Alors, les signes du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Ah, nde na tango wana sikoyo, toko le kakat na komona ete, elembo ya mwana na moto. Et comme on a un mapata, nous allons que zonga yankolo es masia. Donc c'est là ce qui correspond à c'est ça qui correspond à au retour du Seigneur Jésus Christ. Tango ko zonga masia, et lorsque nous salama. Lorsque le Seigneur Jésus Christ arrivera lors de son retour, qu'est-ce qui se passera? Tango la vision suite. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Lamenteront. Batonyo se mokili bakole kakat na kolela. Bozako se souvenir na Apocalypse. Vous vous souvenez de l'Apocalypse? Chapitre 6. Chapitre 6. Oh, tout est kotanga. Que nous venons de. Que nous avions lu tout à l'heure. Baganga film nyonso. Ba roi nyonso. Que tous les chefs militaires, les présidents, les riches, tout ça. Bakima ki kobomba na nasi ya mabanga. Ils ont eu peur, ils sont partis se cacher en dessous de rochers. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et là, c'est dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Oui, ma sœur. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Mende na tango wana, bato na mokili bato nyonso, na ba chrétien, na tango wana ba zana nuwana, bako mona ndeko zonga ya mwana na moto. Et c'est là, c'est en ce moment-là que même les chrétiens et tous ceux qui sont dans le monde, les chrétiens y compris, ils verront en ce moment-là, voilà, le Seigneur Jésus-Christ est en train de venir. Ça veut dire été, Colosse Massia a causé un sixième saut. Donc cela voudrait dire que le Seigneur Jésus-Christ viendra sur la terre, son retour se fera en cours du sixième saut. Nena sixième saut, Wana. C'est en cours du sixième saut. Koyana Colosse Massia. Qu'il y aura le retour du Seigneur Jésus-Christ. Avec puissance et gloire. Avec puissance et gloire. Puissance tout alliée. Et tout ce qui est dans le ciel, là, les puissances de cieux vont s'ébranler. Ça ne pourra pas supporter la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de venir pour chercher son église, pour prendre son église. C'est en ce moment-là qu'il est en train de venir prendre son église. Ça se passera comme cela. Il y aura des tremblements de terre dans toute la terre. Le soleil sera noir comme un sac de crin.
Sanza ekokoma rouge lokola makila. La lune deviendra rouge comme du sang. Ba montagne ekopalangana. Les montagnes vont se déplacer d'une place à une autre. Tangu kolesi masazali kozonga kozwa église na ye. Quand le Seigneur Jésus-Christ viendra pour chercher son église, pour enlever son église. Pendant le sixième saut, c'est en cours du sixième saut que cela se passera. Enlèvement et cause à la sécrété. Ils ont la caté enlèvement secret. L'enlèvement ne sera pas secret parce que ça n'existe pas l'enlèvement secret. Ce sont vraiment des enseignements. L'enlèvement secret, c'est un enseignement qui vient de la théologie. C'est diabolique. C'est vraiment diabolique. Et c'est biblique. Ce n'est pas biblique. Car le retour du Seigneur Jésus-Christ, ça sera vraiment, ça se passera comme cela avec fracas. Il y aura des choses vraiment qui vont se faire voir, des choses énormes. Les gens qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ seront là tourmentés en train de se plaindre, en train de pleurer. Non. Ça ne sera pas que non, voilà, il y a des gens qui vont disparaître comme ça. Non, ça ne sera pas comme ça. Oui, ma sœur, Dukokoba. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront les fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et gloire. Tel que notre Seigneur viendra, le jour qu'il viendra chercher l'église, ça sera avec une grande puissance et avec une grande gloire parce qu'il vient chercher son épouse. Ça ne sera pas d'une façon caché d'une façon, ça ne sera pas fait en secret, non. Mais comme vous-même aussi, les jours que vous êtes allé épouser votre femme, est-ce que vous étiez parti chercher votre épouse, vous marier avec elle en secret? Pourquoi alors avez-vous fait il y avait trop de klaxons, pile en pile, et vous avez fait venir tout le monde et il y avait plein de bruit le jour de votre mariage. Donc les retours du Seigneur Jésus-Christ pour venir chercher son église, ça se passera aussi comme un grand événement. Et ça se passera pendant le sixième saut. Or nous vous disons que maintenant nous sommes au niveau du cinquième saut. Alors ne manquez pas s'il vous plaît les messages concernant le cinquième saut. Pour que tu puisses te rendre compte des événements qui sont décrits dans le cinquième saut. Oh, se rendre compte était pour que tu puisses te rendre compte que solo tu allais dans cinquième saut. Que nous sommes réellement au niveau du cinquième saut. Na cinquième saut, il y a une des grandes tribulations qui vont commencer. Et pendant ce cinquième saut, c'est là où il y aura la grande tribulation. Quand est-ce que ce temps va quoi causer? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra pour chercher son église, à cause de l'église naie où ils allaient constituer na ba juifs chrétiens, na ba chrétiens ou ba outil na nation. Il viendra pour chercher son église qui est constituée des juifs chrétiens et des chrétiens qui sont venus des nations. En une fois. Pour moi, c'est Alibal et Ankolo Yesu. Car la l'épouse du Seigneur Jésus-Christ est constituée des chrétiens qui sont des juifs et aussi des chrétiens qui viennent des nations. Ce qui yo au si toi tu restes sur la terre pendant que le Seigneur Jésus-Christ vient pour enlever son église, parmi les cinq vierges folles, ça voudrait dire que tu es parmi les cinq vierges folles. Il n'y aura pas un autre enlèvement. Ça veut dire que toi qui n'as pas été enlevé avec le Seigneur et les autres et les restes des chrétiens, toi tu iras en enfer. Histoire, tu peux parabole, il y a 10 vierges folles. Pensez encore à... Il y a 10 vierges. Pensez encore à la parabole de 10 vierges. Tango 5 bakotaki, mitano batikalaki tango bayaki. Et encore la bango. Lorsque les 5 vierges sages ont été prises par le Seigneur, est-ce que les 5 autres qui étaient folles, lorsqu'elles sont arrivées en retard, est-ce que le Seigneur leur avait ouvert la porte? Non. Non. Bien aimé, nous allons continuer. Verset 31, ma sœur.
Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Bokanga likambo oyo, il enverra ses anges. Bokanga phrase oyo. Retenez cette phrase s'il vous plaît. Akotinda ba angelou na ye. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Avec la trompette retentissante. Oui, ma sœur, pour nous la nini. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Bandeko awa tout ça kotanga Matthieu chapitre 24. Mais ici nous sommes en train de lire le livre de Matthieu chapitre 24. Balobi aussitôt après ces jours de tribulation. Si manamikolo oyo ya pasi oyo ya konyokoma ya bana na nzambe. C'est dit aussitôt après ces jours de tribulation. Oyo antichrist a konyokola bango. Pendant que l'antichrist va vraiment torturer les enfants des chrétiens. Netango wana kolesu masia aye kokata. C'est en ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ vient pour abréger ces temps de tribulation. Et c'est ainsi que tout ce qui va suivre là, ça va se passer maintenant. Verset 31, alobi ete akotinda ba angelu na ye na ba kelelo bazali ko beta ya ko ganga po basala nini. Donc il enverra ses anges avec la trompette retentissante. C'est pour faire quoi? C'est pour rassembler. Pour na ko sangisa. Oui, ma sœur, pour continuer. Les anges rassembleront ses élus. Bien-aimés. Ça veut dire que l'église est en train. Cela veut dire que l'église est encore sur la terre. Et c'est là que les anges vont venir rassembler les saints qui sont ses élus. Au niveau du sixième sceau. Tant ba outi ko traverser la grande tribulation. Après, juste après la traversée de la grande tribulation. Yango matéa oyo ezali ete église traversera la grande tribulation. C'est comme cela que ces messages s'intitulent l'église traversera la grande tribulation. Et la grande tribulation ko salama awa na cinquième saut. Et la grande tribulation se passera en plein cinquième saut. Toza déjà le colonna porte. Et nous sommes déjà un pied devant la porte. Yango bote ya bandimi baleka kati na ko bonga mapo na ko affronter la grande tribulation pas à 666 t. C'est comme cela qu'il faut vraiment préparer les chrétiens à affronter la grande tribulation et à ne pas avoir la marque 666. Ata ba ko kufa na nzala baiba ete simana yango kolesu masia za ko ya. Même s'ils ne pourront pas avoir la possibilité de l'acheter à manger, ils auront faim, mais qu'ils se disent que non, voilà, le Seigneur va venir dans pas longtemps. Alors ceux qui vont se trouver dans la position qui vont être tués, qu'ils n'aient pas peur, qu'ils acceptent. Car le Seigneur Jésus-Christ va vraiment abréger, comme il a dit, ces temps-là des tribulations. La théologie est autre abyssoboy. La théologie dit ceci. Et que ça a 7 ans, qui règne l'Antichrist. Que le règne de l'Antichrist fera 7 ans. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a dit qu'il va abréger ces 7 années-là. Alors, pourquoi il va abréger cela? C'est pour qui il va-t-il abréger cela? Alors, c'est pour les élus. Il a dit, c'est pour les élus. Sinon, ils ne seront pas sauvés. Et les élus été. Cela veut dire que lorsque le Seigneur Jésus-Christ sera de retour sur la terre, les élus qui sont des chrétiens, donc seront là en train de traverser la grande tribulation. Et c'est comme ça que le Seigneur viendra pour abréger ces temps de tribulation. Ça ne sera plus 7 ans. Mais ça sera juste un temps là, mais Dieu viendra et le Seigneur Jésus-Christ viendra abréger ces jours de 7 ans là. Nous n'avons pas dit que non, ça fera juste un peu de temps. Non, on a dit que le Seigneur a dit qu'il va abréger ces jours là. 4 ans, 5 ans, 5 et demi. Donc, nous, on ne sait pas. Lui-même, il sait si ça sera peut-être dans 4 ans, 5 ans, 5 ans et demi. Donc, nous, on ne sait pas. Mais Jésus, lui, il sait. Il y a une grande tribulation. Et qu'on a le temps où on colle sur Akokatayango. Règne antichrist, c'est collé sur Akokatayango. Mais le temps qui est donné pour la grande tribulation, il est vrai que le Seigneur va abréger cela. Yango à l'obin à chrétien, bon prier. C'est comme cela qu'il a dit aux chrétiens de prier.
afin que votre fruit ne puisse pas arriver en hiver et que votre fruit ne puisse pas arriver un jour de sabbat. Et c'est comme cela qu'il faut vraiment que nous puissions prêcher ces choses-là dès maintenant. Parce que ces choses se passeront pendant le cinquième saut. Et nous sommes en plein en cours du cinquième saut. Car le Seigneur Jésus-Christ vient nous chercher pendant le sixième saut, en cours du sixième saut. Alors avant que le Seigneur Jésus-Christ puisse retourner pour venir sur la terre pour nous chercher, il reste maintenant de vivre les temps de l'Antichrist. C'est les temps de la grande tribulation. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, ici nous sommes en train d'aller, de nous acheminer vers la fin. Oui, ma sœur, on peut continuer. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Oui, à côté d'abord, angelu na yena ba kelelo ko ganga ko beta makasi. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents. Mais ba angelu ba koleka kati na ko sangisa ba ndimi ba ya kolo esu masia ba ponami. Depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Na mokili mobimba ba angelu ba ko sangisa ba na nzambe. Donc on ko sa verset oyo mususu. Nous allons voir un autre verset. Luc chapitre 21. Verset 24 à 28. Verset 24 à 28. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ah, on connaît ce massif à tango wana azakoleka kati na koyebi saba azakoleka kati na koyebi saba ntuma makambu oyo eko salama na epai ya bana Israël. Ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples, il leur raconte les choses qui se passeront pour les enfants d'Israël. Le quoi là, alors qui était temple, bah les kakats n'ont pas pensé en gros. Alors, comme il leur avait dit que les temples sera d'autrui, qu'il ne restera plus pierre sur pierre. Ah ouais, kolo aza kolobela bana ya Israël, natangwana bah repense temple, makambo bah les kakats n'ont pas vivre. Donc là, il est en train de leur raconter justement ce qui se passera lors de la destruction du temple, ce qui se passera pour les enfants d'Israël. C'est comme cela que le Seigneur Jésus-Christ parle ici en troisième personne. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ah, il parle des enfants d'Israël en utilisant les troisièmes personnes du pluriel. Donc, là, ça veut dire les enfants d'Israël, ils au pluriel, oui. Les disciples étaient avec lui en même temps. Vous tomberez sur les tranchants de l'épée. Non. Alors le Seigneur Jésus-Christ ne disait pas vous tomberez sur les tranchées. Non. Non. Ils tomberont. Il était en train de dire ils tomberont. Mais qui sont ces ils-là? Ces ils-là, ils sont qui? Alors, ils, ce sont les enfants d'Israël qui sont encore accrochés aux histoires des temples. Ceux-là qui ont refusé le Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour eux, les temples étaient quelque chose de plus grand que le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est comme cela que quand le temple sera détruit, eux aussi seront détruits pareillement. Oui, ma sœur, Okokoba. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Alors ces choses-là se sont déjà passées, hein? Ça s'est déjà concrétisé pour les enfants d'Israël. Oui, ma sœur. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Jérusalem va connaître angola makolo na batu ya mokili tope na ba pagano. Yango wana ezo kokisama. Alors, pour l'instant, nous savons que c'est toujours ainsi. Donc, les nations ont vraiment foulé aux pieds Jérusalem. Nous devrons savoir que dans ce message, pour l'instant, Jérusalem est toujours foulée aux pieds. Il y a un mboka mosusu ya Israël, ba paya moto, ezana maboko ya ba paya, ba rab. Donc c'est comme ça qu'il y a beaucoup de villes d'Israël qui sont vraiment habitées encore par des étrangers, en fait, des Arabes. Et pas même Batonga qui temple là Jérusalem. Là où étaient les temples de Jérusalem, tel que vous voyez dans vos écrans, sur vos écrans, vous voyez que les temples sont déjà détruits. Kasi, Arabes. Mais les Arabes Batonga mosquée na bango wana. Ont construit leur mosquée à cet endroit où il y avait les temples. Na Dôme du Rocher.
Donc, ils ont construit les dômes du rocher là où se trouvaient les temples, tels que vous voyez sur vos écrans. Bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Jérusalem et qu'on a foulé au pied. Yango wana ndenge bomoni na kati na etanda na bino. Bien aimé, il est écrit que Jérusalem sera foulée au pied. Donc cela correspond aux images que nous vous montrons. C'est ce qui se passe là. C'est Jérusalem est réellement foulée au pied par les nations païennes. Et ça sera comme ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jusqu'à ce que les règnes de païens puisse arriver à la fin. Cela veut dire que les derniers rois qui va régner pendant les temps des nations, et que ça l'antichrist. Ça sera l'antichrist en personne. En personne. Dernier roi. C'est lui le dernier roi. Oh, il y a tant de la nation. Qui sera là pour les temps des nations. Yango na Daniel chapitre 9. C'est comme cela que dans le livre de Daniel chapitre 9. Baloba qui était antichrist. Il est dit que l'antichrist. A causé la alliance na batobambo kwana ne se belé belé. Que l'antichrist fera des alliances avec plusieurs. Po ba le kakati na kondima était temple à Jérusalem et tongama. Afin qu'ils puissent se mettre d'accord pour la construction du temple de Jérusalem. Yemoto a confirmé alliance. Et c'est l'antichrist qui va confirmer cette alliance-là. Nous en parlerons prochainement dans les vidéos prochaines. Verset 25, ma sœur. Il y aura des signes dans le soleil. Oui, yango bomonaki na Apocalypse, tomonaki ete. C'est comme ça que nous avons vu que dans le livre de l'Apocalypse, il y a eu le soleil qui est devenu noir comme un sac de crin. Et ici, c'est dit que nous verrons des signes dans le soleil. Ça veut dire que ezali kotambola nzela moko ezali sixième saut. Donc là, ça montre bien que c'est le sixième saut. Oui, ma sœur. Dans la lune, donc il y aura des signes dans le soleil, il y aura des signes dans la lune. Et que ça la fait na bilembo. Oui, ma sœur. Et dans les étoiles. Oui, ma sœur. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots. Donc il y aura des bruits de la mer et des flots, donc des bruits que même si toi il n'y a pas la mer à côté de toi, mais tu entendras les bruits de tous ces bruits là. Donc voilà. Verset 26. Alors, les hommes rendant l'âme des terreurs dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Alléluia. Bandeko oyo mutu andimela kolesu masia te mingi na bango bakokufa dans les vides. Bien aimé, ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ, ils vont mourir comme ça dans les vides. Mukolo kolesu masia koya ezalite enlèvement secret to événement secret. Non. Les jours du retour du Seigneur Jésus-Christ, ça ne sera pas un événement secret. Bima na kati ya bamate ya wana. Il faut vraiment abandonner et sortir de ces faux messages de l'enlèvement secret. C'est vraiment des enseignements diaboliques. Ce ne sont pas des enseignements bibliques. Oui, ma sœur. Les hommes rendant l'âme des terreurs dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Oui, ma sœur. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Yango wana bakonzi ya mokili bakokima bakolobete nani yango akoki kotelema wana. C'est ainsi que les présidents, les rois, les riches de ce monde, les grands, les puissants vont se demander mais qui va subsister. Verset 27, ma sœur. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Lesima na yango tokomona kozonga ya nkolo Yesu. Nkolo Yesu ma sœur to tozole kakati na kozela. Le Seigneur Jésus-Christ que nous attendons, ça sera comme cela son retour. Son retour pour venir chercher son Église.
Les puissances des cieux seront ébranlées, les étoiles tomberont sur la terre. Et beaucoup de gens qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ vont mourir. Rien qu'en voyant, ils seront terrorisés par tous les événements qui se passeront ces jours-là. Mais les chrétiens ne vont pas mourir. Car c'est vraiment les jours de gloire pour les chrétiens. Oui, ma sœur, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Yango wana esili ko belema bande ko na biso awa nkolé sima sa zoba quand vous verrez na mema oyo sikoyo aza ko ebisa biso ba chrétien aza ko ebisa ba yekoli. Alors le Seigneur est en train de parler aux chrétiens en disant ça. Il est en train de parler à ses disciples qui quand sont chrétiens. Quand vous verrez. Voilà, à s'adresser directement à Bango. Quand vous verrez. Donc il s'adressait directement à ses disciples en disant quand vous verrez. Ce que tu as dit dans verset 24, qu'on a le bas qui ils tomberont sous les tranchants. Ils, et là qui, juifs, au bas, ils m'ont collé sous terre. Alors dans le verset 24, vous voyez qu'il disait ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ça veut dire qu'il parlait des ils, c'était des juifs. Il parlait de ces juifs-là qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Ah voilà, verset 28, alors dit quand vous verrez ces choses, redressez vos têtes. Mais là maintenant, dans le verset 28, il est en train de parler directement à ses disciples. Il dit que quand vous verrez ces choses arriver, redressez vos têtes. Donc là, ça veut dire que les chrétiens seront encore ici sur la terre. Et le Seigneur Jésus-Christ est en train de revenir pour prendre les chrétiens. Les chrétiens qui viennent de traverser la grande tribulation. Alors, c'est comme ça, redresser la tête pour la ligne, pour être votre délivrance approche. C'est comme cela qu'il a dit, redresser la tête. Pourquoi? Parce que votre délivrance approche. Bien-aimés, nous allons voir le dernier verset. Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14. Verset 14 à verset 20. Verset 14 à verset 20. Oui, ma sœur. Je regardais et voici. Ah, ouais, Petru, n'y a-t-il y a 4 n'y a pas été. Apocalypse 14, où il va partir à verset 14, tina 20. Et ça, quand on a dit, moko na Apocalypse chapitre 6, 12 à 17, pour maintenant la sixième saut. Donc nous allons aussi vous faire voir que dans ces chapitres, Apocalypse chapitre 14, verset 14 à 20, marche de pair avec l'Apocalypse 6, verset 12 à 17. Oui, ma sœur. Je regardais et voici. Il y avait une nuée blanche. Donc, pensez encore, le Seigneur Jésus, il est dit dans la Bible que le Seigneur Jésus-Christ est en train de venir avec sur une nuée et avec ses anges. Ici aussi, c'est dit que c'est écrit, je regardais et voici, il y avait une nuée blanche dans le ciel. Oui, ma sœur. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Oui, ma sœur. Ayant sur sa tête une couronne d'or. Et dans sa main une faucille tranchante. On veut préciser ici que cet homme qui ressemble à un fils d'homme n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est un ange de Dieu. Et c'est un ange à qui le Seigneur Jésus-Christ donnera un ordre à faire. Oui, ma sœur. Et verset 15. Et un autre ange sortit du temple. Criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne. Car l'heure des moissonniers est venue. Car la moisson de la terre est mûre.
pointe la moisson de la terre et mire. Ah, c'est un langage prophétique. C'est un langage prophétique dans ces versets. Quand on entend parler de moisson dans la Bible, ah ouais, écoutez, c'est enlèvement. Dans ces versets, ça parle de l'enlèvement. Ange, Abimaki. Le premier ange qui était venu, qui était sorti, il était venu pour moissonner. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ avait dit qu'il allait envoyer ses anges avec des trompettes retentissantes pour rassembler ses élus. Ce sont les travaux que les anges feront en ces jours-là. Et c'est ainsi que cet ange dans l'Apocalypse 14, il a reçu l'ordre des moissonniers. Et vous verrez ici, il y a deux choses qui se passent. Les jours de la moisson, ça veut dire les jours de l'enlèvement. C'est aussi ce même jour d'enlèvement qui, juste après, il va aussi commencer à frapper la terre. Oui, ma sœur, continue. Et verset 16, « Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. » A boaka ki mbeli na ye, na kati na mokili, pe mokili, et zala ki moissonné, ça veut dire et un kolo a ye, a zui, moisson, na kati na Bible, na prophète, langage prophétique, et zali enlèvement, kolo a zui, église na ye. Donc cela veut dire que le Seigneur Jésus vient et il va enlever son église. Nde yango eko salama, enlèvement. C'est en ce moment-là que ça se passera, l'enlèvement. Verset 17, ma sœur. Verset 17. Et un autre ange sorti du temple, qui est dans le ciel. Oui, ma sœur. Ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu. Ange lui mosusu ya mine, ye lisusu a ye, ye azala ki na bokonzi likolo ya moto. Oui, ma sœur. Sorti de l'autel. Ye abimi epayi batumbaka ba sacrifice. Oui, et, likolo. Oui, ma sœur. Et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant. Alobi na mongongo makasi na ange lui oya misato asimbaki mbeli pona kolega kata kokata biloko mosusu ya bilanga. Oui, ma sœur. Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne et de la terre. Ete le kakata na kobwa kambeli. On le capte quand na kokata biloko mosusu etikalaki ya bilanga. On va kolega kat na kobenga et on le capte na kovandager. Vendanger. Et ni kolega kat na koloba ete veut dire ezali enlèvement te. C'est pas l'enlèvement. Mais kasito komona yango ni koloba nini. Nous verrons si c'est quoi vendanger. Vendager ba grappe de la vigne. Ce qu'on dit ba vigne rouge, yango de ba sel la kaba vin. Donc c'est avec les raisins rouges qu'on fait le vin. Bazwaka ba vin bazwaka. Ba raisin wana, oui, ba raisin. Donc, les raisins sont pris. Soyi bazui yango. Quand c'est cueilli. Ba tia yango na kati neti na nzungu. C'est mis dans comme une sorte de casserole. Casserole ko bimisa mayi yango. Alors, pour sortir maintenant le. Ba nyataka yango na makolo. Donc, cela est piétiné, c'est fait par les pieds, on marche dessus. Pour faire sortir le jus de raisin. C'est ça, pour bimisa ba mayi yango. Pour sortir les jus de raisin. Alors quand la Bible parle de vendanger, vous allez comprendre si ça veut dire quoi. Oui, ma sœur, car le raisin de la terre sont mûrs. Oui, ma sœur. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Et il vendagea la vigne de la terre. Ba raisin oyo ya mokili et jeta la vendange dans la bouki ba raisin nyonso to azionga cela monini. Oui, ma sœur. Et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Tanguye aleki kati na kobwaka mbeli na ye et kati 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 ba raisin bazali banani bazali bato oyo bandimelaki nkolo Yesu Kristo te. Qui sont les raisins? Les raisins sont de personnes qui n'ont pas accepté ou reçu le Seigneur Jésus-Christ. Oyo bakozwa 666. Ce sont eux qui prendront la marque de 666. Bato ya mokili. Les gens du monde. Mukolo nkolo Yesu Masiya akoya kozwa église na ye. Lorsque les jours que le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher son église, bato mingi ya mokili bakokufa. Beaucoup de païens vont vraiment mourir. Tomonaki yango dans le vide. Nous avons vu ça dans le livre de Luc qu'il y aura des gens qui vont mourir comme ça dans le vide. Pour la terreur. À cause de la terreur qui va s'emparer d'eux.
Ah ouais, l'Apocalypse 14. Alors dans l'Apocalypse chapitre 14, et ça, vous parlez, c'est un langage prophétique. Ça nous parle ici dans un langage prophétique. Lorsque les raisins ont été vendagés, dans les raisins, on parle ici de, ça montre que ce sont des personnes qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur. Alors, comme ça a été recueilli, tous ces raisins-là, alors tous ces raisins ont été jetés dans une grande cuve de la colère de Dieu. Et après, verset 20, ma sœur. Et la cuve fut foulée hors de la ville. Ba beti yango ki sambeti ezala libanda ya ville. Quelle ville? La nouvelle Jérusalem. Bokonji na Nzambe. Na libanda ya bokonji na Nzambe. Ba te nyonso ba kosekwa te les cinq vierges folles. Donc, toutes ces personnes-là qui ne seront pas ressuscitées, donc les cinq vierges folles, les cinq vierges folles qui ne seront pas enlevées, et les gens qui prendront la marque 666, et ceux-là qui ne vont pas recevoir ou accepter le Seigneur Jésus-Christ, ils ne vont pas entrer dans la ville, dans la nouvelle Jérusalem. Et ils sont sortis de la cuve. Makila et Bimi. Na kati ya nzungu yango. Oui ma sœur. Jusqu'au mort de chevaux. Tina niveau ya minoko ya bampunda. Sur une étendue de 1600 stades. Et lui que parce qu'il mpunda a telemi. Cela veut dire que lorsque le cheval est debout. Et pas minoko na ye sukaka. Se trouve sa bouche. Tina mabele makile kotonda bongo na moko. Donc à partir de la bouche du cheval et jusqu'au niveau au sol, donc il y aura du sang. Il va être à cette taille-là, donc cette dimension-là. Donc, ça sera comme c'est indiqué là, donc ça sera étendu sur 1600 stades. Il y aura que du sang et du sang. Et là, ça ne sera pas encore la mort de tous les êtres humains de cette terre. Mais les jours où le Seigneur viendra chercher l'église, il y aura beaucoup de gens, des humains qui seront tués ces jours-là. Donc, les sang qui a coulé là dans ces versets, c'est dit que c'est venu de raisins de la terre. Donc ça a été jeté vraiment dans la coupe de dans la cuve de la colère des dieux. Alors, lorsqu'il y a ça a été jeté cette cuve de la colère qui a été jetée hors dehors de la ville. Bible indique que les sang est sorti de cette cuve là. Ça veut dire être mon colon colosse massé à quoi qu'on soit église naïe. Non, ça voudrait dire que le jour que le Seigneur Jésus-Christ viendra enlever son église. Mon colon a pe aza qu'on soit église pas aza qu'on bête à même temps batamouki. Donc c'est le même jour aussi qu'il vient chercher son église et il va aussi en même temps frapper aussi les gens de la terre. Et beaucoup de gens vont mourir ces jours-là. Et pour vous les chrétiens, redressez la tête. Et pour nous, le Seigneur a dit pour les chrétiens, vous relevez la tête. Dans les jours du retour du Seigneur, il dit aux chrétiens, relevez la tête parce que votre délivrance est arrivée. Et que vous avez tous ces pays-là. Ça sera que nous, les chrétiens, nous serons dans la joie. Mais les gens qui étaient en train de nous torturer pendant la grande tribulation seront en train de pleurer. Ça sera comme ça, du tic au tac. Nous montons, pendant que nous montons pour nous réjouir avec le Seigneur, et en bas, ils sont restés, ils sont en train de pleurer en même temps. Faux prophète. Le Seigneur prend les faux prophètes et l'Antichrist et il va les prendre et puis tous les deux il va les jeter dans le feu. Bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ. Nous sommes arrivés à la fin. Tu te demanderas peut-être, mais alors le diable, quel sera son sort alors? Satan va boire un cachot pendant 1000 ans. Alors, il faudra savoir que le diable, lui, sera mis en prison pour 1000 ans. Nous vous invitons vraiment à continuer à suivre ces messages. Avec toute simplicité, il y a compréhension. Ah, vraiment avec une simplicité de compréhension. En suivant juste les signes tels que le Seigneur avait lui-même montré à ses disciples.
Et si nous et vous, nous allons vraiment comprendre tout ce que la Bible nous dit clairement et ouvertement. Ce n'est pas de la théologie. Ce sont vraiment des messages que nous avons tirés de ce qui est écrit, de ce qui est parlé par les apôtres, Amen. Les prophètes qui sont dans et ou qui ont leur nom écrit sur les fondements de Jérusalem, Alléluia. La nouvelle Jérusalem. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu bénisse tout un chacun. Merci à tous les bien-aimés qui ont eu la patience de suivre ce message jusqu'à la fin. Nous allons nous revoir tout de suite. Dans notre troisième vidéo, qui aura pour titre les événements du cinquième saut. Et là, nous parlerons de comment nous sommes en train de traverser actuellement le cinquième saut qui est en cours. Mais que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse.